en Guyane, nous sommes de toutes les couleurs. Culture mélangée pour une seule identité. Main dans la main, nous marcherons sur le chemin de l'amitié, celle que l'on partage entre amis pour la vie. Situé à plus de 7000 km de Paris et en Amérique du Sud, la Guyane est une région et un département français. Elle est bordée à l'ouest par le fleuve Maroni, qui fait frontière avec le Suriname, et à l'est par l'Oyapock, qui fait frontière avec le Brésil. La Guyane est à peu près 7 fois plus petite que la France métropolitaine. Elle compte environ 250 000 habitants, dont une grande proportion sont des jeunes. Quand on atterrit à Cayenne, il faut encore faire 250 km par la route pour atteindre Saint-Laurent-du-Maroni, ville frontière avec le Suriname. Saint-Laurent-du-Maroni est la seconde ville de Guyane. Elle compte plus de 40 000 habitants. Bien que développées, les structures scolaires sont insuffisantes pour accueillir tous les jeunes en âge d'être scolarisés. C'est là qu'en 2010, les frères ont ouvert l'école primaire Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui accueille aujourd'hui 150 élèves. En apparence, c'est une école tout à fait classique. À ceci près qu'elle reçoit beaucoup d'enfants bouchiningués. Qui sont les bouchiningués? Ce sont les descendants des anciens esclaves dont les ancêtres venaient d'Afrique. Ils se sont créés une culture et une façon de vivre en copiant chez les métropolitains, les Européens, les Indiens, les Amérindiens, et ça a donné naissance au monde bouchiningué. Beaucoup ne parlent pas français ou n'ont jamais été scolarisés. La vocation de l'école est de permettre à tous les enfants de maîtriser davantage la langue française et les mathématiques. Pour cela, certains élèves qui ne parlent pas le français doivent être suivis individuellement ou en petit groupe. L'augmentation régulière du nombre d'élèves et de classes entraîne la nécessité d'investir davantage dans un matériel pédagogique adapté. L'ordinateur est un des outils privilégiés pour nous aider dans cette tâche parfois difficile. Il permet à la fois des apprentissages collectifs et un travail plus personnalisé et en autonomie. Nous remercions tous ceux qui nous aident. La mission éducative lassalienne, initiée depuis 5 ans à Saint-Laurent-du-Maroni, se développe aussi grâce à vous.